Et ça m'amène à votre, je rebondis sur votre dernière intervention. Je peux concevoir, encore une fois, je déçois énormément de monde qui s'attendrait dans mes interventions à mobiliser quelque chose qui serait le vote communautaire ou le vote arabe. Écoutez, moi, d'abord, c'est un, c'est pas ce que je crois. Deux, c'est pas ma fonction. Et trois, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que d'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de vote communautaire. Il n'y en a pas. Et moi, je vais vous dire une chose, j'ai un grand problème avec un certain nombre de leaders musulmans sur leur positionnement politique. Ils me font peur. J'ai vu des gens accueillir Sarkozy en disant notre ami Sarkozy. Après, vous faites quoi? Un vote communautaire sur quoi? Sur Sarkozy? Ou sur Hollande, parce qu'il a autour de lui deux ou trois personnes qui, soi-disant. Moi, j'ai vu des gens qui, quand ils arrivent au sommet politique, ils ont beau s'appeler Ahmad, ou ils ont beau s'appeler Ali, ou Karim, ou ce que vous voulez, il y en a, ils sont aussi tordus que tous les autres. Donc, il n'y a pas de vote communautaire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est développer une communauté de principes. Une communauté dont la caractéristique de la communauté, c'est une communauté qui s'appuie sur des principes. Et que tu sois blanc, que tu sois athée, que tu sois agnostique, que tu sois musulman, si tu te, ou chrétien, ou ce que tu veux, si c'est tes principes qui font ton appartenance politique, alors tu es des miens et je suis des tiens. Mais cette idée que parce qu'on vient de la même chose et qu'on a la même religion, ou parce qu'on est berbère, ou parce qu'on est africain, on va se retrouver. Mais attendez, mais regardez ce que c'est que les communautés qui viennent du Sud. Ils sont divisés, entre eux, il y a du racisme. Il y a du racisme. Où ils sont les gens qui viennent d'Afrique occidentale ici et qui sont français? Ils sont où les Sénégalais français qui viennent du Sénégal? Ils sont où? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une discrimination raciale entre nous. Et donc après, vous pensez qu'il va y avoir un vote communautaire? Non, il faut une communauté de principes. Il faut une communauté politique de principes, une communauté idéologique de principes, une communauté politique éthique. Et qui va ratisser, mais ça ne veut pas dire qu'on en oublie une représentation de base qui est réelle. Il y a des gens qui sont discriminés, qui représentent quelque chose. Donc il faut jouer sur les deux, la représentation d'une origine et la transversalité des principes. Voilà ce que je proposerais, mais venir appeler les gens à voter comme ci ou comme ça, parce que finalement on est de la même religion, on est. Non, non. Puis il y en a qui aimeraient bien qu'on fasse ça, parce qu'on tomberait dans leur piège. Il y en a qui ont envie qu'on fasse exactement ça. Et il y en a qui s'intéressent aux cités que juste avant les élections. Des imposteurs. C'est des positions électoralistes. Ils disent défendre des principes de justice, mais c'est des imposteurs sur la question de la justice parce qu'ils ne l'utilisent que quand elle leur permettrait de gagner des votes. Donc moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mes excuses si je vous ai déçu sur cela. Mais ça ne veut pas dire, permettez-moi quand même de dire une chose, ça ne veut pas dire, j'espère. Et j'espère que vous ne l'aurez pas compris comme ça, que mon propos sur le plan de l'engagement politique soit quelque chose qui couperait l'élan aux populations et qui couperait leurs espoirs. Au contraire, si j'essaie de dire quelque chose, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire l'espoir dans le contre-pouvoir, l'espoir dans la mobilisation, dans une espèce de dimension qui s'appuie moi, ce que j'appelle finalement, pour moi, hein, de là où je viens, c'est une spiritualité active, c'est une spiritualité responsable, c'est une spiritualité qui se traduit dans l'acte politique éthique et qui dit aux gens ne perdez pas espoir, justement. Ne perdez pas espoir, il n'y a pas d'espoir à perdre, il y a au contraire à faire, mais pas n'importe comment. Ne mettez pas vos espoirs dans de fausses stratégies. Parce que le pire, c'est de mettre ses espoirs dans de fausses stratégies. Et alors là, on est encore plus bas, parce qu'on est tellement déçu de ce que les promesses qu'on s'était faites au départ. Donc, je suis pas du tout dans l'engagement. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais tu nous dis qu'au fond, quel choix, il y en a pas de choix. Non, il faut constater les choses, mais ne pas avoir de choix entre eux, ça veut pas dire ne pas avoir de choix pour soi. Hein? Entre ce qu'on nous présente et ce qu'on propose, il y a un choix. Il y a le choix de ce qu'on propose, à l'inverse de choix qu'on nous propose, qu'on met en face de nous. Et donc, ici, ça me paraît être aussi important de le dire. Ce que tu as dit, par ailleurs, sur le fait que c'est encore peut-être pire que la façon dont je dessine ou le portrait que je dessine, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faudrait. Penser à la représentation et penser à. C'est un peu dans ce sens-là. Je veux dire que ma réponse, elle intègre ce que j'aurais donné comme réponse à ce que tu proposes, à savoir qu'effectivement,
Il faut que nous pensions aux représentations réelles des statuts sociaux dans cette société-là, qui représente qui, des populations également. Donc il faut jouer sur cette dimension de la représentation pour proposer autre chose.